Ok, on passe à la partie hall. On est allé dans deux librairies. Je précise, ça c'est ma petite sœur Emma. Bonjour. Qui est venue avec moi à la librairie. Du coup, on est allé chez Ombre Blanche, qui était celle que vous nous aviez recommandée le plus dans les stories là quand j'avais demandé. Et on est allé chez Gibert parce que bah bon, Gibert c'est un peu une chaîne, mais au moins il y a des livres pas chers. Au début, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que commencer ou je commence? Comme tu veux. Bon, je commence, comme ça tu te prépares psychologiquement. En premier, alors ça, celui-là, j'ai pas pris pour moi, je l'ai pris pour ma grande sœur. Parce que comme j'ai offert un livre à Emma, il faut les quitter. Donc j'en ai acheté un à Juliette. Juliette, c'est ma grande sœur. Tout le monde connaît ma vie. Mais elle avait lu Mythe et Meuf, le 1 de Blanche Sabat, et elle nous a dit hier soir qu'elle avait adoré. Du coup, je suis tombée sur le 2, donc je lui ai pris ça. Voilà, et je vais en profiter pour lui piquer avant qu'on se sépare pour les vacances. Mais sinon, on en fait un chacune, tu sais quoi? Ok, viens pas. Prends le premier qui vient. Ouais, tu prends le premier qui vient. Du coup, moi, je me suis pris Les coquillages ne souffrent qu'en été de Clara Hérault. Tu veux dire bonjour Juliette? Elle va envoyer sa mère. Pas dans le truc. Ça va. Ah, elle est bien. Donc Les coquillages ne souffrent qu'en été de Clara Hérault, parce que Valentine. Oui, tu peux dire des noms, c'est mon surnom. Parce que Valentine me l'avait conseillé. Il y a plein de moustiques, hein, si vous en avez passé, c'est normal. Et du coup, bah, je vais le commencer, et il a l'air vraiment bien. C'est sur deux sœurs qui partent en vacances et qui passent les vacances d'été ensemble, et c'est, voilà, ça raconte un petit peu les problèmes. C'est bien, t'en sais pas trop, c'est ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, Ombre Blanche, il y avait deux parties. À la base, en fait, on est rentré dans la partie cinéma. On savait pas, on s'est dit c'est bien, il y a pas beaucoup de livres. Et bah, du coup, j'en ai profité parce que j'adore le cinéma. Et on a trouvé ce truc là, qui est en fait un truc. Je crois que c'est fait par la BNF. Et donc, c'est des affiches de films cultes. Donc, il y a plein de films. Il y a Métropolis, il y a Les Dents de la Mer, il y a 2001, l'Odyssée de l'espace, West Side Story, La Mort aux Trousses. Bref, et en fait, elles sont détachables. Et après, c'est possible de les encadrer. Voilà, elles sont super jolies. C'était pas très cher, c'était 20€. Donc, du coup, j'ai craqué et ça y ira probablement derrière mon bureau, en fond de mes vidéos ou autre part dans mon appart. Ensuite, Titi m'a offert, enfin Valentine, elle m'a changé le surnom toutes les deux secondes. Elle m'a offert The Royal Coven, je sais pas comment c'est ça. En anglais, il s'appelle Her Majesty's Royal Coven, mais ils l'ont raccourci en français. Voilà. Et en gros, ça parle de sorcières. Voilà. Pas plus. Je lui ai fait des résumés très courts, comme ça elle se spoil pas trop, mais je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est dans le monde moderne, en gros, s'il y avait des covens de sorcières fondés par Anne Boleyn, je crois, dans l'histoire originale. Et voilà, là ça se passe à notre époque avec des histoires entre les sorciers et le coven de sorcières. Voilà. Très, très beau. Avec une malédiction. Et l'édition était trop belle, donc franchement, je lui ai dit qu'il fallait que je lui prenne celle-ci parce que moi j'ai adoré et l'édition collector est trop jolie. Ensuite, alors je précise qu'en fait, j'ai un peu honte de raconter ça, mais on fonctionne avec un système de récompense de mon chéri, c'est-à-dire qu'il me dit de jouer à certains jeux et si j'arrive à les finir, y compris des jeux assez compliqués, j'ai le droit à des récompenses. C'est un très bon système. C'est mon sugar daddy des jeux vidéo. Et donc du coup, comme j'ai réussi à finir Elden Ring, j'avais le droit à un budget à dépenser en librairie. Et du coup, j'ai craqué pour celle-ci, c'est l'édition collector du Sorceleur. Alors là, j'avoue, je ne l'ai pas ouverte, mais je vais le faire et je vous la montrerai juste après. C'est l'édition anniversaire qui est absolument magnifique, elle est illustrée. Et voilà, je vais vous la montrer, mais elle est absolument magnifique. Elle était chère, donc j'hésitais à la prendre. Mais là, elle rentrait dans le budget qu'il m'avait alloué, donc j'avoue que j'ai craqué. Elle est magnifique. Ouais, elle est trop beau. Voilà, ça c'est à quoi que ça que ça ressemble les NPGs. Ensuite, oh, ah mais ça se déplie. Oh là 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 là, je découvre au passage parce que je l'avais vu qu'une seule fois. Mais c'est magnifique, c'est super super bien illustré, super bien écrit. Ah oui, je peux retirer ce truc à l'arrière. Ah, je pense que mais, ça voilà. Ici, ça doit être trop beau. Et donc à l'intérieur, je crois qu'il y a, oui voilà, il y a les deux premiers recueils, donc le dernier vœu et l'épée de la Providence que j'ai déjà lu, j'en suis au tome 4. Mais clairement, j'étais obligée de craquer parce que c'est un univers que j'adore. À toi, Minou. Ensuite, moi je me suis pris un Emily Henry. Pour l'instant, j'en ai lu deux de Emily Henry, je crois, ou un seul, je sais plus. J'avais beaucoup aimé et bah pareil, Titi m'a dit que c'était son préféré Funny Story. Et du coup, bah, je l'ai pris parce qu'il a l'air vraiment bien. Et pareil, elle m'a fait un petit résumé. Et moi, j'adore ce genre de petite comédie romantique. En gros, c'est une nana qui va se marier et qui se fait un petit peu jeter à la dernière minute bah, du coup, par son fiancé. Et bah, du coup, pareil, la nana avec qui il se met dump son fiancé à elle. Et du coup, les deux vont emménager ensemble. Oui, alors ils n'étaient pas fiancés, la nana et l'autre mec, mais ils étaient en couple depuis longtemps. Pareil. Oui, ils étaient en couple. Et en gros, bah, du coup, les deux qui se sont fait jeter vont devoir ils emménagent ensemble ou... Ouais, ils emménagent ensemble parce qu'elle, elle a pas d'endroit où vivre. Voilà, et du coup, bah après, ils font un peu de fake dating, tout ça. Tout ce que j'adore. On est en train de se faire bouffer par les moustiques. Ensuite,
J'ai craqué pour celui-ci, Medea. Oh non, ils m'ont tordu le marque-page. Enfin, je me suis tordu le marque-page, je dis « c'est de leur faute ». Celui-ci, donc sur l'histoire de Médée et de Jason. Je vous avoue que sur les trucs de mythologie grecque, j'évite de trop en lire parce que généralement ça spoil beaucoup, mais j'ai vu qu'il était très bien noté et je trouve l'édition absolument magnifique. Donc voilà, ça fait partie d'un des livres qui a été offert par Ben. Oh my God. Moi j'ai pris une petite... Bon, ça c'est des trucs un peu genre accessoires, mais une petite carte de Toulouse parce que je suis une bonne grosse touriste. Voilà, moi j'ai pris un magnet. C'est encore plus touriste. Oui. Et ça fait un petit moment que je voulais me prendre de quoi annoter parce qu'à chaque fois j'emprunte un peu à tout le monde, dont Mathilde. Quand elle est venue. Du coup, je me suis enfin acheté mes propres stabilos. Du coup, j'ai pris ces trois petites couleurs là. Voilà, pour annoter notamment Funny Story et les coquillages Ne s'ouvre qu'en été. C'est ça ? Ne s'ouvre qu'en été. Et après, je suis passée. Attends, à mon tour là. Ah, pardon. Ah, bah non, ça n'a pas présenté de livre. Bah oui, là c'est des trucs un peu. Non, mais vas-y, moi je fais. Non, il m'en reste qu'un après, donc vas-y. Avec le produit anti-moustique. Le produit anti-moustique, oh non, il a fait l'Olympus. Non, c'est le produit anti-moustique qui a fait suanter le. Ah oui, le sac. Bon, bah c'est pas grave. Du coup, je suis allée dans les trucs un peu occasion, les trucs à genre 3 euros, 4 euros, tout ouais. Ça, voilà. Et du coup, j'ai pris, je sais plus comment ça s'appelle, avec les petits M comme ça là. Mais en gros, c'est des histoires sur des loups, des sorcières, des trucs, c'est du ouais, fantastique. C'est de la bitlite peu... qui se lit toujours facilement. Voilà. Ça se lit genre en 5 minutes. Moi, j'aime bien, ça fait des petites lectures à lire sans prise de tête. Voilà. Du coup, j'en ai pris 4. Un avec des loups, un avec des démons, un avec des sangsues et un avec des vampires licornes voilà. Et gargouilles. Et gargouilles, voilà. Et il y en a un que j'ai déjà lu, je crois, il y a longtemps. Je pense qu'il y en a plein que maman a déjà. Oui, parce que votre mère est aussi très avide de bitlite. Je précise que moi, celui-ci vient de chez Gibert, mais tout le reste vient du coup de la librairie Ombre Blanche et Emma, les ceux d'occasion que tu as montré. Funny Story ça, et The Royal Coven, ça vient de Gibert. Et par contre, les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, ça vient d'Ombre Blanche. Et du coup, le dernier que j'ai pris avec mon petit budget, c'est le tome 5 de... mon petit budget, gros budget, même. Oui. Je vais pas me plaindre. C'était le tome 5 de L'Or Olympus, parce que bah voilà, j'adore cette saga. Je l'avais pas encore lu. Je sais que le tome 6 vient de sortir aussi, ou va sortir bientôt. Donc voilà. Trop hâte de le lire. Du coup, en le feuilletant, parce que j'étais plus sûre si je l'avais lu, je me suis spoilé quelques trucs, mais au contraire, ça me donne très envie de le lire. Donc voilà pour le petit haul. On a fait que deux librairies, mais parce qu'on n'avait pas trop de temps non plus, c'est notre seule journée à Toulouse. Ni le budget. Donc, ni le budget. On a fait vraiment celle qui revenait le plus. On aurait bien aimé en faire d'autres, mais franchement, c'est déjà trop cool et on a beaucoup aimé Toulouse. Oui, c'était trop bien. Voilà pour ce petit haul et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'aimerais faire ce concept à chaque fois que je me déplace dans des villes où il y a pas mal de librairies. Je dis ça, pas mal de librairies, on n'en a fait que deux, encore une fois, dans une chaîne. C'est déjà bien. Mais quand même, l'expérience était très cool. Voilà. Ciao, ciao.